après ça, puis ça se collait, puis mon oncle qui approche avec son bâton. Ben, ouais, pas trop, là, son bâton de police. Ah, bon, ouais. Il approche, puis il regarde le couple, là, les jeunes couples, maman, ils en peuvent plus. Tous les deux, ils sautent en dessous de l'automobile qui était stationné dans la côte, ils sautent en dessous. Puis là, mon oncle, il regarde le veston du petit gars qui sort, zop! La robe de la petite fille qui sort, zap! Elle m'a amené les pantalons du gars, zap! La chemise de la fille qui sort, zap! Mon oncle arrive à côté du gars, puis il dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Il dit, « Je t'apprends à réparer ma transmission, monsieur Lagère. » Il dit, « Tu serais mieux de réparer tes briques, ton short en bas de la côte! » C'est des belles dans ta cour! La semaine passée, moi, je reçois un téléphone, mais chez nous, vois-tu, c'est Mme Lafleur à côté. Elle dit, « Coudonc, monsieur Blanchard. » Elle dit, votre petite chienne, je pense qu'elle est malade, là. Parce qu'elle dit, mon chien, la pousse par derrière pour la rentrer dans la cour chez lui. OK, mais les gars qui arrivent, comment tu sais, chez le médecin, dit, docteur, mon Dieu, que je filme pas. Dis, franchement, je sais pas ce qui est arrivé. Je pense que je fais un hernie double. Elle dit, je suis crevé, docteur, j'ai de la misère à marcher. Ben, le docteur dit, déshabillez-vous, je vais vous examiner. Fait que, voyez-vous, il dit, dans un cas comme ça, il dit, je suis obligé de toucher à votre sexe. Alors le docteur, à un moment donné, touche à son sexe, il dit, dites 33, il dit, 1, 2. Bon, ben, on va fermer de bonheur! On va fermer de bonheur! C'est comme mon oncle qui est en police, le même mon oncle, il est appelé pour aller constater un accident. Il arrive sur les lieux, puis il y a un gars qui est dans le char, puis il crie « Aïe, 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 aïe! » Mon oncle, il dit « Étiez-vous tout seul? » Il dit « Non, ma blonde est avec moi, aïe, 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 aïe! » Mon oncle, il cherche partout, il trouve la fille. Oh. Écrasé, c'est un arbre, 20 pieds plus loin, elle est morte. Mon oncle va voir le gars, puis il dit « Monsieur, il dit vous, comptez-vous chanceux. » Il dit « Vous, vous aviez votre ceinture de sécurité. Quand ça a frappé, vous êtes resté assis. » Elle ne l'aime pas. Elle passe à travers du pare-brise, puis elle s'écrasait, c'est un arbre, elle est morte. Le gars regarde mon oncle, puis il dit « Aïe, 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 aïe. » Si moi j'avais ma ceinture de sécurité, quand ça a frappé, je ferais station. Aïe, aïe, aïe. Elle ne l'avait pas en passe à travers du pare-brise, puis elle s'écrasait, c'est l'arbre. Aïe, aïe, aïe. Puis il dit « Va voir, qu'est-ce qu'elle a dans la main, c'est à moi. » Aïe, vous savez qu'il ne faut pas gêner ça. Vous savez qu'il ne faut pas gêner de ça. Vous savez qu'à la télévision, la publicité tous les jours, oui, avec toutes les maladies qui existent, oui, même au Japon, vous avez remarqué, on donne des condoms aux enfants de 12, 13 et 14 ans pour éviter, oui, les maladies. D'ailleurs, on en parle d'ailleurs, de faire même des commerciaux sur les condoms. Oui. Et là, on a sorti un là, pour les hommes en haut de 50 ans, soufflé à l'hélium. Comment il est trop de bonheur? Oui, hello. Bon, Eric. Bon, ça marche, oui, ton père, le blot, hein. Comment, ton père? Hello. Je parle à papa. Oui, c'est pas mon fils. Hein? Comment ça va, Fred? Tu m'appelles direct de Paris? Fred, c'est le son. Ben, mange donc. Non! Ben, va donc. Ben, va donc. Non! T'es pas sérieux, Fred? Ah, bon, bon, bon. Ah, ouais. Ben, ça me fait belle la peine, Fred. OK, salut. Ça, c'est un de mes amis, c'est un comédien français. Ah! Puis lui, il travaille seulement pour les intellectuels. En France, il travaille seulement pour les intellectuels. Ouais, il vient de me dire ça fait 15 ans qu'il fait rien. Bon, ben, il est trop jeune, mon père!